Ok, deuxième prise, on a essayé de faire une vidéo pendant 2 minutes, mais j'ai appuyé dessus pour. Enfin, j'ai appuyé sur le bouton arrêter, je n'ai pas fait exprès. Voilà, mais qu'est-ce qu'on vous disait? Avec Malo, on avait trouvé une super excuse pour vous expliquer qu'on n'a pas fait de vidéo depuis 3 jours. Et aussi, on avait dit que Malo, vous l'avez jamais vu, mais il l'a depuis le début. Voilà. Donc en gros, on voulait vous faire un peu le recap d'aujourd'hui sans rentrer dans les épreuves parce qu'il y a un peu la flemme et puis je pense pas que ça va vous intéresser. Peut-être les sujets d'espagnol et d'allemand. Vous avez eu quoi comme sujet en allemand d'essai? En essai, on a eu un truc sur l'internet et le problème qu'on a en ligne. Le deuxième sujet, celui que j'ai pris, c'est sur est-ce que les journalistes doivent être plus optimistes? Que les journalistes doivent être plus optimistes ou les problèmes d'internet. Ok. Nous on a eu. Est-ce que les manifestations à Cuba en 2021, ça présage un. Est-ce que ce serait le point de départ de modification politique en Amérique latine aujourd'hui? Sinon un autre sujet, mais qui était très très. Enfin, qui demandait pas de connaissances, donc je l'ai même pas lu. Genre, en gros, notre prof, il nous avait dit de prendre le premier sujet, et Cuba, je connaissais un peu, donc j'ai pris ça. Donc voilà. Écoutez, ça s'est passé, en vrai. Hein. C'était tendu. Voilà, mais une journée où je suis crevé sa race. Je vais me coucher à 21 h, je pense. Parce que le matin, je me lève à 6 h 30. Donc je serais chaud avoir une grosse nuit de sommeil, voilà. Voilà, donc là on vous tient au courant. On n'est pas mort, c'est juste que moi j'avais t'as plein de trucs à faire, j'ai pas eu le temps de record une petite vidéo pour les abonnés. Voilà, tu veux faire des prédictions sur tes notes ou pas, Malo? Ouais, non, jamais, jamais, jamais. Allez, fais des prédictions sur tes notes un peu. Archi pas, putain, prédis-toi, mais pas moi. Ouais, moi je prédis pas en vrai. Non. Après, Ça quoi, avoir un mauvais retour de flamme, ça, mauvais c'est. karma. Un mauvais karma. Donc, ce qu'on va faire, c'est que. Ah, voilà. Hein. Ah, si, peut-être vous voulez voir. Bah, mes parents, ils m'ont laissé de la bouffe, de la nourriture. D'ailleurs, merci beaucoup, mon papa et ma maman. Mais. Mais je vais pas vous montrer là, parce que. Parce que Malou, il fait des conneries. Donc. Des trucs qui peuvent faire ban la chaîne. Donc je vais éviter. Mais en tout cas, voilà. Est-ce que vous voulez, surtout, bonne question là, question très importante, est-ce que vous voulez un live sur Twitch de nos réactions aux écoles à laquelle on est prise? Parce que moi j'y ai pensé, et je me suis dit que ce serait quand même très marrant. Mais après, vous allez me voir pleurer et tout, c'est sûr, mais. Mais bon, ça va faire des vues. Et nous, ce qu'on aime, c'est les vues. Mais genre. La YouTube monnaie. Parce qu'après, tout le monde va un peu regarder ses résultats en même temps, mais genre, moi, si je me dis, ok, j'attends un peu, comme ça, je fais un live Twitch. Enfin, comme ça, vous pouvez être sur le live après avoir eu vos résultats. Bref, j'y ai pensé. Je pense que je ferai jamais ça parce que c'est un truc de psychopathe, mais. Mais je trouvais ça marrant. Voilà, Malou, il fera ça, il fera un live Twitch. Et après, il jouera à The Witcher. Le 3. Live sur Twitch. Live sur Twitch. Voilà. Bon bah il est 20 h 20 h 24. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée. N'oubliez pas de dormir, n'oubliez pas de boire pendant les épreuves, de manger si vous avez faim. N'oubliez pas de bien respirer. De toute manière, je pense que les dés sont un peu jetés. Moi je fais un peu de langue encore et je vais faire de la philo parce que j'ai l'impression de pas être prêt, mais je pense qu'en vrai je suis prêt. Mais voilà, arrivez surtout en forme quoi. Vous cramez pas maintenant, ce serait trop con. Voilà, t'as un petit mot à dire pour la communauté, Malo? Ah, tenez bon. Tenez bon. Voilà, soyez fort. Du coup, bah demain, on se retrouve pour 4 heures de maths. De maths, pas du tout. D'histoire géopolitique le matin et 3 heures d'anglais l'après-midi. Voilà, et c'est tout. Ciao les gars!